Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Osten wird schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau von Osten äußere. Een goede avond. In het vorige programma zagen wij hoe Leon de Grelle na de Duitse inval in de Sovjet-Unie een Waals vrijwilligerslegioen oprichtte om opnieuw bij de Duitsers in de gunst te geraken. Ondanks de massale propaganda en de persoonlijke melding van de Grelle kende de werving voor het Waals legioen slechts een matig succes. Amper 860 Waalse vrijwilligers vertrokken de 8e augustus 1941, maar dat was nog altijd meer dan het dubbel van de ongeveer 400 Vlaamse vrijwilligers die twee dagen tevoren waren vertrokken. In het Duitse oefenkamp Meseritz in de Wartegau werden de Waalse vrijwilligers tot hun grote verbazing verplicht de Duitse Weermachtuniform aan te trekken. Disons que cet événement a failli susciter une véritable émeute parmi les légionnaires wallons. Ils ne voulaient pas porter le Feldgrau. Nous ne voulions pas porter le Feldgrau parce que d'abord, lors de notre engagement, on nous avait promis que nous revêtirions l'uniforme de l'aviation belge, l'uniforme bleu de l'aviation belge. Et il n'avait jamais été question de revêtir l'uniforme Feldgrau. Alors la plupart des deux ont dit ah, « on ne veut pas mettre ce Feldgrau, on veut des uniformes belges ». Il a d'ailleurs fallu que de Grelle rassemble toute la Légion et leur parle des raisons pour lesquelles nous devions revêtir l'uniforme Feldgrau, qui était uniquement des considérations d'ordre militaire pour le cas où nous aurions été faits prisonniers par les Russes. La Belgique n'étant pas en guerre avec les Russes, nous étions donc considérés comme des francs-tireurs. Et pour... les mots de De Grelle étaient convaincants. Oui, oui. Mais alors, les autres ont dit, mais alors nous voulons notre insigne de Belge sur la manche. Les Allemands ont dit, oui, on voit bien, mais il faut les faire. Il n'y en a pas. Alors en attendant, mettez ça comme ça. Alors ça a été toute une dispute. Enfin, les Allemands trouvaient qu'on était des embêtants. Hein. De Walen wilden ook het Belgisch vaandel, hè? Mais oui, on voulait. En dan is er een compromis. Mais un compromis, oui, c'était tout. Geen Belgisch vaandel. Oui, enfin, ça a été tout des marchandages. En dan is er het Bourgondisch vaandel toegekend. Ben, c'est ça. Dat mochten ze dan wel hebben, hè? Oui, enfin, ça voulait bien. Parce de Duitsers trokken zich dan niet ergens aan. Non, les Allemands disaient, laissez-nous tranquille. Ils ont trouvé que. Ils avaient plus d'ennuis avec les Belges que toutes les autres légions d'Europe. Uiteindelijk hebben de Walen dan toch maar de Duitse uniform aangetrokken. Als vaandel kregen ze niet de Belgische driekleur, maar de Rexistische vlag met het kruis van Bourgondië. Wel mochten de Walen een kleine Belgische driekleur met het woord Wallonie op de rechtermouw van hun uniform dragen. Van meet af aan boterde het niet tussen de Waalse legioenvrijwilligers en Duitse opleiders. Voornamelijk de officieren en onderofficieren van het Belgisch leger, die in de meidagen van 40 nog tegen de Duitsers hadden gevochten, konden aanvankelijk slechts weinig sympathie voor de Duitse instructeurs opbrengen. Van hun kant keken de Duitsers minachtend neer op het Latijnse laissez-aller van de Walen, dat in schril contrast stond met hun Pruisische drillmethode en kadaverdiscipline. En daarboven, niettegenstaande de Walen in het Frans werden opgeleid, en in tegenstelling tot de Vlaamse vrijwilligers die enkel Duits te horen kregen, doken ook daar de voor de Walen eeuwige taalproblemen op. Nu was het pour les Allemands la même chose. En ce qui me concerne, je n'éprouvais aucune sympathie pour les Allemands. Et jusqu'à la fin de la guerre, il était bien connu à la Légion que je n'avais aucune sympathie pour les Allemands. Et je pense que ce sentiment a été partagé pendant longtemps par bon nombre de mes camarades. Vous alliez quand même vous battre à leur côté. À leur côté, oui. Mais pas pour les Allemands.
Qu'est-ce qu'on pouvait leur, leur dire? Nous ne parlions pas la même langue. Quand un Allemand s'adressait à nous, nous disions « Wallone ». C'était pour exprimer, pour pouvoir exprimer qu'il n'y avait pas de possibilité de s'entretenir dans leur langue. Bon, il y avait bien sûr quelques légionnaires qui parlaient cet Allemand à qui vous disiez « Wallone », qu'est-ce qu'il lui répondait alors? Lui répondait « Arc de grêle ». Ah oui, de grêle. Les Wallons, c'était de grêle. Oui. Vous autres, légionnaires Wallons, vous n'avez jamais appris l'allemand? Non. Non. Ah oh. Non. Sauf ceux qui ont bien voulu, ceux qui sont intéressés. Moi, personnellement, ça ne m'intéressait pas du tout. Les Wallons sont comme ça, ils disaient « Ah, ils moet iedereen parler. Moet Frans spreken. Frans spreken, comme les Flamands disent, c'est le bien national. Et les Allemands venaient chez moi. Pour les Allemands, la même chose. La même chose, oui, c'est ça. Mais n'y avait-il pas surtout, je dirais, une question de mentalité? Oh, il est certain que les Wallons ne sont pas des Germains, comme aurait bien voulu faire croire Léon de Grelle. Non. Non. Et que nous n'avions aucune affinité avec les Allemands. Disons que les Allemands, au début, nous considéraient un peu, je dirais presque comme des, je ne dirais pas des sous-développés, mais c'était tout juste, enfin. Ja. Ze hadden ook bepaalde uitdrukkingen, hè, om de Walen van het legioen te kenschetsen. Oh, oui. Vous pensez certainement la même expression que moi, scheisse Wallonen. Scheisse Wallonen, ja. En waarom kwamen ze tot het gebruik van zulke uitdrukkingen? Parce qu'ils trouvaient en fait que le Wallon lui-même n'avait pas l'attitude militaire de l'Allemand. Ce qui était absolument normal pour nous. Nous n'étions pas habitués à cette vie, disons, réglementée et militaire. En Allemagne, tout était vorschriftmäßig, c'est-à-dire réglementé. Oui. Or, ça, c'était vraiment à l'opposé du caractère wallon. Mais les Wallons, avec leur esprit frondeur, faisaient parfois la guerre à leur compte. Oui, et se baladaient un peu dans toute l'Europe avant de rejoindre le front. Ils partaient pour quelques jours, disons, une semaine comme ça. Une semaine, non, mais quelques jours. Oui, qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Ils allaient voir un petit peu Vienne, par exemple. Est-ce qu'il allait voir aussi les femmes? Les filles. Ah, les filles, oui. Les filles, oui. Surtout les filles. Aller boire un bon verre de bière. Et quand il revenait à la Wehrmacht, il n'était pas sanctionné? Non, parce qu'ils savaient tirer leur plan et avaient tous les cachets possibles et imaginables sur leur marche-buffet. Mais alors, avec la Feldgendarmerie, justement, on s'en sortait toujours, hein. Comment ça? Ah ben parce qu'ils nous disaient pourquoi vous êtes en retard, on ne savait pas répondre, ni ce compris, ni ce compris, ils en avaient marre, le feldgendarme. Ils disaient, allez, oui, ça va, Wallon, allez, partez. Hein. Et nous autres, ils nous appelaient après, oh Wallon, grosse filou, grosse filou. Grosse filou? Oui, filou, oui, parce qu'ils étaient, on les embobinait les Allemands autour de notre doigt. Eind augustus 1941 dienden de Waalse vrijwilligers de bij de Weermacht voorziene eed van trouw af te leggen. Daarmee verbonden ze zich ertoe Hitler in de strijd tegen het bolsjevisme tot ter dood te gehoorzamen. De legioensoldaten die geen lid van Rex waren, dienden tevens een eed van trouw op de grellen af te leggen. Na nauwelijks 2 maanden opleiding werd het Waals legioen de 17 oktober 1941 op transport naar het Oostfront gezet. Tevoren had de grel van de Duitsers verkregen dat een van zijn stroommannen, de reeds bejaarde en vrij onbenullige gewezen kapitein-commandant van het Belgisch leger, Georges Jacobs, bijgenaamd pauvre petit major, tot bevelhebber van het legioen werd aangesteld. Jacobs n'avait vraiment rien d'un homme qui pouvait en imposer à des jeunes gamins. Il était sage, au fond il était toujours sur les genoux de grel, il attendait, mais il n'avait pas d'ambition. Enfin, il avait l'âge que pouvait avoir un capitaine commandant de l'armée belge de réserve. Prêt à la pension? Prêt à la pension, oui. Oui. Qui n'avait aucune envergure militaire. Dat was een volle man, hè. En die was klein en die was al oud, dus die had niet lang geduurd. Begin november 1941 werden de Walen voor de eerste keer ingezet in de streek van Dniepropetrovsk. Zware herfstregens en dikke mist hadden de Duitse opmars inmiddels in het slijk van het Donetsk-bekken doen vastlopen. Na een korte inzet tegen partisanen diende het Waals legioen in een spoedtempo naar Sherbinovka,
overgebracht om er gaten in de Duitse linies te dichten. Met het invallen van de winter waren de Russen immers aan een tegenoffensief begonnen. Dagenlang marcheerden de Walen bij temperaturen van 30 tot 50 graden onder nul door ijzige sneeuwstormen waartegen hun dunne zomeruniformen nauwelijks bescherming boden. In december 1941 maakte het uitgeputte en door dagenlange marsen geradbraakte legioen een zware morele crisis door. De leiding, en dan vooral commandeur Jacobs, was in gebreken gebleven omdat ze niet tegen de harde Russische winter bestand was. Vele Waalse vrijwilligers vroegen zich af wat ze daar in godsnaam waren komen doen. Ook Leon de Grelle was diep ontgoocheld. Hij overwoog zelfs het legioen te ontbinden en naar huis terug te keren. Vous étiez déçu. On a même pensé sérieusement à la dislocation de la Légion à un certain moment. Le froid était tel que beaucoup ne résistaient plus. Faut pas exagérer, c'était évidemment très dur. Tous ces vieux officiers, ils ont tous eu des bronchites, des pneumonies. Il n'y a pas un qui a pu tenir le coup. Nous n'avions de vêtements spéciaux, de rien du tout. On n'avait même pas de gants, pas de passe-montagne. Les mains collées au fer des fusils. Je me souviens un jour, nous avons duré de 3 heures du matin jusqu'à la nuit pour faire une tranchée de 3 km dans laquelle passer. Il y avait 4 mètres de hauteur. Il fallait approfondir 4 mètres de neige pour avancer. Et là, ils avaient vraiment tellement minable aspect avec Jacobs comme commandeur sur son cheval blanc que la commandature de Karabinovka dit « Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ça pour des vagabonds? Ils n'ont plus d'équipement. Ils n'ont... Allez, c'est fini, on va leur prendre tout ça. » qui n'ont qu'à aller travailler, chance comme disent les Allemands, c'est-à-dire faire des tranchées, et ce n'est pas des troupes combattantes. C'était fini, tous les gens devenaient malades, la dysenterie, et demandaient à rentrer en Belgique. Et De Grelle lui-même était certain qu'il allait rentrer en Belgique, qu'il ne savait plus continuer non plus, vu que ça ne tenait plus. On disait, il était à bout. Il était à bout lui-même, De Grelle aussi, et tout le monde. Et à ce moment-là, on a renvoyé 15 ou 20 officiers, dont Jacobs en Belgique. Et ça a failli que De Grelle retourne aussi, maintenant qu'il en avait sa claque aussi. Étant donné que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, que les Allemands n'ont jamais même fait attention, ceux de la Wehrmacht ne faisaient pas attention à ces Wallons. On les prenait pour des Tzigeurnen ou quelque chose comme ça. Tzigeuner. Tzigeuner, ouais. Uiteindelijk werd het Waals legioen toch niet ontbonden. Wel werden 6 Waalse officieren en een 50-tal manschappen wegens ongeschiktheid naar huis gestuurd. Ook de zwakke bevelhebber George Jacobs keerde huiswaarts en werd vervangen door Pierre Pouly, een kapitein stafbrevethouder van het Belgisch leger en een ijzervreter van de bovenste plank. Il est arrivé, il a... Il nous a fait faire de l'exercice par 35 degrés sous zéro. Il nous a fait monter de garde par 35 degrés sous zéro. Il nous a fait faire le salut au drapeau par 35 degrés sous zéro, n'est-ce pas? Et on avait tout juste le droit de temps en temps... le garde à vous à l'armée allemande, c'est quelque chose de sacré. Quand le garde à vous, on ne peut même pas scier les yeux, n'est-ce pas? Alors là, il y avait une dérogation. Quand on était au garde à vous pendant le salut au drapeau, on pouvait de temps en temps regarder le nez de son voisin, parce que c'était la seule chose qui dépassait des caches-oreilles et de tous les lainages qu'on avait sur soi, n'est-ce pas? Et là, on pouvait regarder à côté. C'était la seule chose qu'on pouvait se permettre. Pouly était intransigeant. Et il gueulait comme un... Enfin, on a dit qu'est-ce qui arrive là maintenant. Il gueulait comme... Comme un cochon, enfin, le type tout à fait... Un vrai d'œuvre. Un vrai diable, quoi. Oui. Mais capable, vous savez. Il fallait ça. Si on voulait redresser, il fallait ça. Oui. C'était quelqu'un d'extraordinaire du point de vue vitalité, mais c'était aussi un excité, un emporté, qui à certains moments pouvait montrer des moments qu'on aurait pu considérer comme des moments de folie, parce qu'on se demandait vraiment où il allait chercher. Nadat het Waals legioen door Pouly duchtig onder handen was genomen en gedrild, kreeg het begin 1942 eindelijk de kans om zich ook op het slagveld te doen gelden. De 18e februari 1942 bezette de Walen het dorpje Gromovaja-Belka aan de Samara-rivier om er de troepen onder leiding van generaal Timoshenko tegen te houden.
Naar verluid werd deze vuurdoop door de Grelle en Poli bij de Duitsers aangevraagd om het Waals legioen in het voetlicht te plaatsen. Dit geschiedde, maar dan wel ten koste van zware verliezen. Soldaten der Wallonischen Freiwilligen Legion, die zich in diesen Abwehrkämpfen besonders hervortat. Commandeur Balka, comme son nom l'indique, c'est une vallée, une Balka, c'est une vallée, et puis Grand Mauvais Balka, ça veut dire, ensemble, la vallée du tonnerre. Et c'était la vallée du tonnerre. C'était un village qui portait bien son nom, après. On s'était engouffré là-dedans, nous, à la suite de quelques dizaines de gardes, de géants de la SS Germania qui étaient allés occuper ce patelin, qu'il avait pris, qui a bouté les Russes dehors, et puis qui étaient allés occuper un hameau 3-4 km en avant. Et nous étions là. On est entré là-dedans sous une pluie, mais sous une pluie d'obus, n'est-ce pas? Et on est resté 8 jours, 10 jours dans cet enfer, nuit et jour. C'était les mitrailleurs d'avions, le bombardement d'artillerie, à la nuit tombante, des chars qui venaient s'embosser là à 200-300 mètres et puis tiraient dans les toits, etc. Il y avait des morts, il y avait des blessés, n'est-ce pas? Un peu partout dans toutes les compagnies. Et puis, on ne savait plus comment on vivait. On n'avait plus aucune notion du temps. On dormait à 40 sur quelques mètres carrés. On sortait pour monter de garde, on rentrait, on ne savait plus quelle heure il était. Il y avait des périodes obscures qui suivaient des périodes plus claires. C'était la nuit, le jour, on ne savait plus très bien. On était complètement abruti, n'est-ce pas, de manque de sommeil. Le ravitaillement, c'était normal quand il n'y avait pas un obus qui tombait dans la roulante, n'est-ce pas, tout se passait normalement, ça va. Et puis, 10 jours comme ça. Et alors, pour clôturer l'histoire, n'est-ce pas, pour couronner toute l'affaire, le 28 au matin, tout le monde sur la position, le 28 février. 42. Ah oui, moi je dis le 28 parce que si je parle, n'est-ce pas, à un ancien, je dis le 28, tout le monde comprend. Oui. Évidemment, le 28 février 42, c'était le dernier coup. Le dernier coup de la contre-offensive d'hiver russe, qui devait leur ouvrir le passage vers le Dnieper, Dniepropetrovsk, etc. Le passage de la Samara d'abord, et puis... Alors, je suppose que notre état-major savait qu'ils allaient attaquer, ils savaient à peu près la force. Eux aussi devaient savoir que nous n'étions que 500 pauvres petits Wallons qui allions subir le baptême du feu, là-bas, perdu. Alors, ils se sont dit probablement, bon, on va rentrer là-dedans comme dans du beurre, et puis c'est fini. En de Russen zijn vooruitgekomen, 3 regimenten, rechtstaande. En niet inleggen, niet op de grond liggen. Hè. Rechtstaande kwamen die vooruit. Ze liepen rechtop. Ja, ze liepen rechtop. C'était le système d'attaque en masse que les Russes faisaient au début de la guerre. Ils attaquaient, je pense, en force, même si tous les attaquants n'avaient pas d'armes. Et au fur et à mesure que certains tombaient, les autres reprenaient leurs armes et ils essayaient de forcer la décision par le nombre. On fauchait là-dedans, c'était quelque chose d'incroyable. Nous en avons tué 700 en une matinée. C'était des cartons, c'était du tir au lapin, n'est-ce pas? C'était comme à la foire. Hein? Ils étaient tellement nombreux, n'est-ce pas? Les trous étaient bouchés tout de suite. Onder de schok van de massale Russische aanval moesten de Walen hun vooruitgeschoven stellingen prijsgeven en zich in de isbas, de leme hutten en boerderijtjes van Gromovaja Balka verschansen. De strijd ontaarde spoedig in bloedige lijf-aan-lijf-gevechten, waarbij de Walen tot 3 maal toe vruchteloos poogden het verloren terrein te heroveren. Een dozijn Russische tanks maakten hun dat echter onmogelijk. Il y avait des chars, il n'était que russe. Il y avait une bonne douzaine, 12 ou 14. Et là,
après avoir tiraillé, après avoir incendié toutes les maisons, après avoir tout démoli, ils étaient à court de munitions. Alors ils roulaient, ils écrasaient les hommes qui s'enfuyaient devant eux. On n'avait pas de canon anti-char. Rien du tout. Il y a un type, c'était un plus âgé déjà, je crois que c'était un adjudant, je ne sais plus ce qu'il faisait. Oui. Il s'est trouvé à un certain moment comme ça devant un char, devant 28 tonnes, avec ses deux mains pour l'arrêter. Mais il n'y avait rien d'autre que ses deux mains pour l'arrêter. À un certain moment, à la troisième fois, tout est perdu cette fois-là parce qu'on ne peut. On ne peut plus résister, on n'a plus la force et on n'a plus les munitions pour contre-attaquer, ou plus assez. N'est-ce pas? Et on se dit, voilà, on est aux dernières isbas du village, on va devoir faire un kilomètre dans la plaine, blanche. Et ce serait encore une fois le carton. Ah, c'est évident, c'était de nouveau le tir à pipe. Hein? Oui. Absolument. Hein? Oui. C'était sacrifié. Au moment où nous partions, les autres n'avaient qu'à s'aligner, n'est-ce pas? Et un à un, très calmement, oui. N'est-ce pas? Il n'y en avait jamais un qui serait arrivé de l'autre côté. Et à ce moment-là, on entend un bruit d'avion. On entend les moteurs d'avion. On se dit, ça y est, en plus, n'est-ce pas? En plus, il leur faut les avions. N'est-ce pas? Parce que nous, quand on a entendu, on se dit, ça y est, c'est encore les Russes. Ce sont des avions russes. Ce sont des avions russes, hein? Et puis tout de même, on s'aperçoit que ce sont des Stukas. Tout d'un coup, ils sont au-dessus de nous et ils se mettent en carrousel. Mais quand on se met en carrousel, quand les Stukas se mettent en carrousel, ça veut dire qu'ils vont plonger. Ils étaient au-dessus de nous. Alors il fallait pas. On se bagarre, n'est-ce pas, comme ça, à quelques mètres l'un de l'autre. Eux, là au-dessus, ils voient bien des hommes qui courent et des hommes qui font la guerre et qui se battent. Mais qui est qui? N'est-ce pas un uniforme vert foncé ou un uniforme brun foncé? Il fallait vous faire reconnaître. Oui, alors il y avait deux fusées, j'en avais pas. N'est-ce pas? D'ailleurs, les Russes en ont aussi des fusées. Alors, oui. Il suffisait qu'ils tirent les mêmes fusées que nous, ils étaient joués. Alors, il y a un sous-officier, je crois, ou un officier, je ne sais plus exactement, qui a eu présence d'esprit. Il s'est dit, noir, enfin presque noir sur blanc, des hommes couchés, et on a formé, couché, une croix gammée. Une croix gammée? Une croix gammée. Ah oui. Et je suppose qu'ils ont très bien compris. Ils sont allés, oh, pas loin, vous savez, ils sont allés 20 mètres plus loin. Oui. Hein, parce que là, à ce moment-là, ils avaient compris qu'on délimitait l'histoire. Et puis, ils ont commencé. Ça, c'est le carrousel infernal. Il y a peu, ben, je ne connais pas, une troupe, n'est-ce pas, qui résiste à un bombardement de Stuka. Ça n'existe pas. Quand une petite bombe, n'est-ce pas, de 50 kilos tombe sur un char, il n'y a plus de char. C'est aussi simple que ça. Ces gars-là, n'est-ce pas, piquent, n'est-ce pas, ils relèvent, ils redressent à 20 mètres, ils ne peuvent pas rater leur but. Ils ne l'ont pas raté. Ils ne l'ont pas raté. Ça a été une destruction effroyable, ça a été la terreur, n'est-ce pas, dans les rangs russes, qui ne s'attendaient pas du tout à ça, alors qu'ils tenaient. Ils tenaient la victoire, on sent ça, n'est-ce pas, ils le sentaient bien, nous étions finis, on ne pouvait plus rien faire. Et alors, n'est-ce pas, il arrive. Et 5 minutes après, n'est-ce pas, au moment où tout le monde file, eux filent et nous derrière, parce qu'alors, autant vous dire, munitions, pas munitions, alors on se serait battu en main nue, vous savez, on n'aurait plus besoin de munitions. Hein? On les poursuivait. Alors, il y a des chars allemands qui sont arrivés, et un bataillon allemand qui devait arriver le matin, 20 minutes après le commencement de la bataille. Nous devions tenir 20 minutes dans ce. Ah, 20 minutes? 20 minutes. Et vous avez tenu? 8 heures. 8 heures. Na Gromovaja Belka was het Waals legioen voorgoed uit de onbekendheid getreden. Het werd op de Duitse dagorde vermeld en kreeg niet minder dan 37 ijzeren kruisen tweede klasse toebedeeld. De Duitse aflossingstroepen noemden de Walen des fous héroïques, heroïsche gekken, omdat ze zo lang tegen een veelvoudige Russische overmacht hadden standgehouden. Nochtans hadden de Walen daarbij zware verliezen geleden. 62 doden en 110 gekwetsten waren gevallen. De tweede compagnie was bijna volledig uitgeroeid. Daarboven gaven de Duitsers Sanderendaags het dorp op en maakten de Russen een eind aan hun winteroffensief. Kortom, voor het Waals legioen betekende Gromovaja Belka een duur betaald prestigesucces en dit ten bate van slechts één enkele man, Leon de Grelle, die zelf trouwens ook een ijzeren kruis kreeg opgespeld, ofschoon hij in het heetst van de strijd ver achter het front in een lazaret verbleef.
de Grelle a été décoré aussi, pour la première fois. Parce que fallait bien faire quelque chose, on a demandé quels étaient ceux qui étaient, bien que, apparemment, de Grelle n'a pas fait grand-chose là-dedans. Il était à l'infirmerie, paraît-il, pendant la bataille. Il y a une charrette qui a passé sur son pied, qui a écrasé son pied dans la neige. La bataille finie, on a envoyé de formidables communiqués en Belgique, entre autres au roi, avec la liste des pertes qui étaient tuées. La première fois qu'on avait quelque chose à raconter, donc on a envoyé des messagers en Belgique pour raconter qu'on avait été cité à l'ordre du jour et tout, que c'était tout content. Et apparemment, tout ça a été bien accueilli à Bruxelles, partout. Entre-temps, les Flamands avaient perdu Tolenaar, à Leningrad. Et eux aussi faisaient mousser. Eux aussi faisaient mousser l'affaire de Tolenaar. Parce que chacun avait pour but que d'obtenir des bons points. C'est ça la question des légions. Obtenir des bons points pour plus tard, pour dire nous avons fait quelque chose. Met Gromovoja Belka had de Grelle zijn slag thuis gehaald. Hij kwam opnieuw in de publieke belangstelling te staan. De rexistische pers stond bol van zijn heldendaden en dit leverde het legioen tot in de zomer van 1942 niet minder dan 850 nieuwe recruten op. Onder hen een 150-tal jongeren uit de rexistische jeugd die, sommigen nog in korte broek, onder impuls van hun provoost, de gewezen communist John Hagemans, zich in groep voor het legioen hadden gemeld. C'est dans le cadre prestigieux de la Grand Place de Bruxelles que se déroule la cérémonie de départ du nouveau contingent de volontaires wallons qui iront rejoindre leurs camarades sur le front de l'Est pour combattre le bolchevisme. Le chef de la Légion procède à la remise d'un fanion. In het legioen zelf hield de Grelle intussen grote schoonmaak. Voor eerst werd de Waalse almoezenier Salesse wegens onwaardig gedrag naar huis gestuurd. Ce n'est pas une page très belle pour cet homme. C'était un peureux qui bénissait de loin les mourants, estimant que cette bénédiction à 500-600 mètres valait une bénédiction donnée sur le corps du mort ou du blessé. Il était toujours loin derrière tout. Si on voulait l'avoir pour une confession, il disait qu'il vienne au téléphone. Il donnait la confession par téléphone. Oui. C'était surtout un coureur de jupons. Ah oui. Il avait des touches. Oh, il forniquait avec toutes les femmes russes qu'il trouvait. Il y avait tant de monde à la Légion qu'il faisait. Ben oui, mais nous n'étions pas prêtres catholiques, nous autres. Begin april 1942 werd eveneens de buitenissige Waalse bevelhebber Pierre Poli de laan uitgestuurd. Men verweet hem diefstal uit veldpostpakketten, de mishandeling van ondergeschikten en het feit dat hij een Duitse officier oorvegen had toegediend omdat deze zich laatdunkend over de Walen had uitgelaten. Volgens sommige getuigenissen was Poli echter te ambitieus en werd hij daarom door de Grelle aan de dijk gezet. Poli werd vervangen door de Belgische legerkapitein Georges Tchekhov, een gewezen FN-ingenieur van Wit-Russische afkomst, die reeds voor de oorlog voor de abwehr spioneerde en in het legioen vooral bekend was omdat hij iedereen onder tafel dronk. Na nauwelijks 2 maanden werd Tchekhov omwille van zijn drankzucht door de 28-jarige artillerieluitenant Lucien Lippert vervangen. Lippert was in 1937 als derde van zijn promotie aan de Koninklijke Militaire School briljant afgestudeerd en had zich na de Duitse inval in 40 voor de Waalse arbeidsdienst gemeld. In augustus 41 vertrok hij met de eerste lichting van het Waals legioen. Lippert was hoegenaamd geen aanhanger van de Grelle, wel in tegendeel, zoals later nog zal blijken. Hij was in de eerste plaats een vakman, een aanvoerder, die voornamelijk om het lot van zijn soldaten bekommerd was. Hij werd dan ook tot zijn dood in februari 1944 door zijn manschappen op de handen gedragen.
Lippert était un homme intègre, intègre avec tout le monde, intègre aussi avec lui-même. C'est un homme qui n'aurait pas voulu manger plus que ses soldats. C'est un homme qui se trouvait au front, non pas dans son poste de commandement, pas seulement dans son poste de commandement. Il se déplaçait au front, il allait voir les hommes en première ligne. C'était le père de la Légion Wallonie. C'est notre père spirituel, c'était le père de la Légion Wallonie. On pouvait tout lui demander, il acceptait tout, il écoutait tout le monde, il donnait des conseils, c'était vraiment un chef militaire exceptionnel pour moi. D'abord, pour nous légionnaires, ça a été le seul et vrai commandeur. Lippert était un homme d'une droiture exceptionnelle, d'une courtoisie, tout ce qu'il y avait de plus raffiné, très sec quand il le fallait, mais c'est un homme que nous regretterons toujours et que nous regrettons encore parce que pour nous c'était un saint. J'ai l'impression, monsieur Dangy, que vous avez de la peine en parlant de lui. C'est vrai. Il était tellement proche de ces hommes. Oh oui. C'était un vrai chef. Je viens de vous le dire, c'était un saint. Et sa première préoccupation, c'était le sort de ces hommes. C'était le sort de ces hommes. Et il était très ménagé du sang de ces hommes. Et je m'excuse si je viens d'être un peu ému. Je ne suis pas un dur à cuire, comme certains voudraient le dire. Je suis au contraire un être sensible. Mais le regret de l'hyper, je le partage avec tous mes anciens camarades. Naast Lippert was er natuurlijk nog de Grelle. Als Rijksleider had deze achter de schermen natuurlijk heel wat in de pap te brokken bij het legioen. De Grelle werd door zijn aanhangers verafgoot omdat hij, althans gedurende de eerste maanden, de ontbering van het gewone soldatenleven met zijn manschap had gedeeld, niettegenstaande hij als Rijksleider het zich heel wat gemakkelijker had kunnen maken. Nochtans had de Grelle, als we sommige getuigenissen mogen geloven, bijzonder weinig aanleg voor das Militär. Gelukkig voor hem werd hij door een buitengewoon gesternte beschermd. Men had bewondering voor de Grelle. Ah oui, parce que finalement, c'était tout de même probablement le seul chef qui est parti et qui est revenu avec nous, mais qui a fait tous les combats. Il a vécu tel un simple soldat, tel un simple soldat. Il a combattu, il a porté la mitrailleuse et tout. Là, ça, c'est un point sur lequel tous les légionnaires, absolument tous, seront d'accord. Il avait le courage de ses actes et de ses opinions. Il avait le courage physique également. Léon de Grelle, n'est-ce pas? Je le répète bien haut, n'est-ce pas? C'est mon chef. Et toujours? Oh, toujours! Encore plus que jamais, monsieur. Vous avez vu la dédicace qu'il m'a faite? Vous ne l'auriez pas pour 100 000 francs, n'est-ce pas? Ah non, ça. Pas pour 100 000 francs? Pas pour 100 000 francs, non. Et je ne suis pas riche. Eh bien, voilà. Vous savez, Léon de Grelle était si peu militaire. Vous avez le sourire en disant cela. Oui, parce que... Oui, il était certainement le commandeur de la Légion, mais Léon de Grelle n'a jamais été un militaire. Ça a été un bon soldat. Ça a été un homme courageux, mais s'il y a une qualité qu'il n'avait pas, c'était bien celle-là. Prenait-il parfois des risques inconsidérés? Oui, indiscutablement. Indiscutablement. Comme je viens de vous le dire, ça nous a valu parfois des pertes. Plus que nombreuses. En mort oui. Et blessé. En mort et blessé, oui. Il m'est arrivé de lui dire que s'il avait été dans ma compagnie, il aurait été plus souvent au cachot que dans les dehors. Il n'aurait pas sorti du cachot. Oui. Oui. Il avait indiscutablement une baraka, une chance. Au Caucase, où j'étais à côté de lui,
trois grosses torpilles sont tombées sur la colline où il était. Comment Léon de Grelle n'a pas été complètement mitraillé de 30 à 40 petits morceaux de grenades, on ne comprend pas encore aujourd'hui. Ne parlons pas de miracles, ça ne tient pas debout. Sa gamelle, son casque, la tente dans laquelle était complètement criblé, il s'est placé, il a eu cette chance, il a eu une grosse éraflure, mais il aurait dû être tué. Zoveel gewezen Oostfront-soldaten Walen spreken mij altijd maar over die baraka van de Grel. Ja. Heb je daar ook in geloofd? In de Kaukasus weet ik natuurlijk dat wij door een Kiron vooruit gegaan zijn. Hij zit natuurlijk te peert. En we komen bij door te richten bij een boom. En achter die in een boom stond natuurlijk een tireur de Litrus. En die schiet op hem en die mikt hem. Die mist hem. En hij pakt zijn machinepistool. En hij zet twee kogels in de toer van die in de Rus. Dat is toch een kans hebben, hè? Dus die moest in zijn eigen denken. Ik kan niet gesneuven toeren in Rusland, hè? Ik zei hem protégé, hè? Die zei: suivez-moi, chance de Grelle, chance éternelle, il disait. Allez, en avant. In juni 1942 voegden de vrijwilligers van het tweede contingent, met onder andere 150 Rex-jongeren, na een korte basisopleiding zich bij het Waals Legioen in het Donetsk-bekken. Hierdoor kwam het Waals Legioen weer op getalsterkte en kon het opnieuw worden ingezet. Geen wonder dat de overlevenden van Gromme van Jabalka de jonge vrijwilligers niet graag zagen komen. Ils avaient quel âge? Oh, il y en avait même qui avaient 15 ans, mais qui, je m'apprête à vous dire, avaient falsifié leur carte d'identité. 15 ans? Oui, 15 ans. Il y avait même des fils de légionnaires qui sont venus retrouver leur père, à la grande fureur parfois de ceux-ci, parce que nous estimions qu'ils étaient trop jeunes que pour subir les rigueurs du front, de la Russie, de l'hiver qui se préparait, en un mot qui n'était pas préparé du tout à cela. Une seconde raison aussi, qui n'était pas sans nous avoir motivés, c'est que nous espérions descendre en congé et que l'avenue du nouveau contingent nous a relancés vers le front plutôt que vers la Belgique. Der Stoß der deutschen Angriffsarmeen wird weiter nach Südosten geführt, dem Unterlauf des Don entgegen, der am 18. Juli ostwärts Rostow in breiter Front erreicht wurde. Schnelle Verbände bleiben dem Feind hart auf den Fersen und jagen ihn in ungebrochenem Angriffsschwung immer weiter zurück. Aangevuld tot 850 man en ingedeeld bij de 97e Duitse bergjagersdivisie, stak het Waals Legioen de 10 juli 1942 de Donetsrivier over en begon een lange en uitputtende voetmars richting Caucasus. Onder een bijna tropische zon, ditmaal. En in het stof legden de Walen gedurende dagenlange marsen meer dan 1000 kilometer te voet af. Malaria, dysenterie en uitputting dunde de Waalse gelederen uit. Meer dan 30% van de effectieven ging onderweg verloren. Nous sommes partis au mois de juin, je pense, si mes souvenirs sont bons, que c'était le 23 juin, de Slaviansk en Ukraine. Et nous avons fait des marches tous les jours, des marches de 35, 40, et parfois 70 km.
nous poursuivions bien sûr le soviet. Et le soviet reculait avec une vitesse tellement extraordinaire que nous ne parvenions même pas à prendre de contact avec lui. Feuer auf einen feindlichen Transportzug, hinter dem die Bolschewisten Deckung suchen. Volltreffer in einen Tankwagen. Nous avons fait près de 1200 km en 35 jours. Le 15 août 1942, nous étions à Maïkop. Maïkop, dans le Kouban. Maïkop, la ville du pétrole, située au pied des contreforts septentrionaux du Caucase. Des commissaires soviétiques prisonniers. Un étendard pris à l'ennemi. Nous nous sommes reposés pendant deux jours et nous avons repris par la suite ces marches jusqu'au Caucase. 1200 km en 35 jours. Oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Trotz des verzweifelten Widerstandes der Sowjets im Kaukasusgebiet geht der Sturm durch Staub und glühende Sonne weiter nach Süden. Là, on dormait vraiment en marchant, l'un pied ne suivait plus l'autre que par habitude. Et on se réveillait quand celui devant nous s'arrêtait et qu'on butait avec le crâne sur son casque qui se trouvait sur le sac. In de zomer was het natuurlijk dan nog warm en dat was door ook le désert du Kouban, door waar wij moeten deugen zijn, die woestijnen van de Kouban, en daar was door absoluut geen water. En ik weet ook dat wij op een dag door een moeraswater gekomen zijn en dat iedereen zich geworpen heeft op dat moeraswater voor te drinken, zelfs een Duitse dokter die aan nefst bij was en wij hebben dat mos weg moeten douwen en dan worden kik voor zijn hoek. En wij hebben gedronken. En geen een peer te willen van dat water drinken. De peerden wilden niet drinken? Nee, de peerden hebben absoluut niet gedronken. Absoluut niet. Waarom die hebben geweigerd van te drinken. Hadden die geen dorst? Die hadden ook een dorst, maar die wouden absoluut van dat water dat stonk. En wij dachten cholera of geen cholera, maar wij drinken. Hè? Niks om te doen. Mm-hmm. En de Grel, il a tenu le coup? Ah, il était sur son cheval Caucase. Il était sur son cheval Caucase et le 8 août, je me souviens bien, il nous a dit bon anniversaire les Bourguignons. Ça, il y avait un an qu'on était partis. Ah, il était sur un cheval, lui. Oui, oui, oui. Ah, il n'a pas fait ça à pied. Non, non. Ah, parce qu'on a une photo, on voit le marché. Hein. Ah, il a peut-être fait certaines étapes ou certaines pour la propagande. Pour la propagande. Oui. Tijdens een wekenlange voetmars door de bekkens van Don en Donets werden de Walen, tenminste volgens hun zeggen, over het algemeen door de plaatselijke bevolking goed ontvangen. De Duitsers waren op dat ogenblik natuurlijk aan de winnende hand. Tevens hadden de Oekraïners om nationalistische en religieuze redenen nooit veel sympathie voor het Sovjetregime gekoesterd. Dit kwam de Walen natuurlijk goed van pas wanneer ze hun mager rantsoen wilden aanvullen of op zoek waren naar vrouwelijk gezelschap. L'accueil était très aimable. Nous avons toujours été très bien accueillis par la population russe. Quoi qu'on en pense, ou quoi qu'on en dise. Peut-être parce que nous étions... peut-être parce que nous étions des Wallons, peut-être parce que nous étions nous-mêmes très gentils et très affables vis-à-vis de cette population. On s'aidait mutuellement.
ce qu'ils n'avaient pas et ce qu'on pouvait leur donner, nous leur donnions. Par exemple, nos médecins visitaient la population, auscultaient les malades. Ils allaient de casbah en casbah. Beschouwden ze dan niet als vijanden? Non, au contraire, nous étions accueillis comme des libérateurs. Kunt u dat aantonen, bewijzen? C'est pas difficile. Disons que, par exemple, dans le Caucase, au moment où nous avons été engagés, c'est la population locale qui nous servait de guide dans les montagnes et les forêts. In de strijd? Dans le combat. Il y a cela des raisons profondes. En fait, quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis, surtout, disons, en libérateurs. Nous tombions dans des populations qui étaient, disons, profondément religieuses. Je parle religieuse dans le sens catholique ou musulman, ça dépendait de l'endroit où nous étions. Et ils ne supportaient pas l'athéisme du parti communiste, bien sûr. Je was een beetje schrik bij hoek, hè. Dat als wij daar binnenkomen en je ziet er allemaal een bannenkiemen met machinegeweren en mitrailletten en handgranaten, hè, dat is toch niet voor confiance te inspireren. Hè? Dat is een beetje een angst bij hoek. Hè? Er werd daar heel wat geruild, geloof ik, hè, met de plaatselijke bevolking. Wat werd er bijvoorbeeld geruild? Oh, vous savez, disons que ce qu'il y avait surtout court au point de vue troc. Il leur manquait, par exemple, disons, des aiguilles à coudre. Il leur manquait aussi des aiguilles à tricoter. Voilà ce qui servait de monnaie d'échange. Une aiguille à coudre, mais surtout une aiguille de machine à coudre. Les femmes russes étaient capables de tout et donnaient tout ce que l'on voulait. Et c'est ainsi que lors de notre premier congé, nous nous sommes approvisionnés tous en aiguilles, tant de machines à coudre qu'à coudre. Et qu'est-ce qu'on recevait ? En compensation. Oh, ben, écoutez, une aiguille de machine à coudre, ça valait un cochon. Et ça valait aussi la compagnie d'une femme russe. Et ça valait la compagnie d'une femme, même de deux à la rigueur. Bien sûr, nous sommes quand même, malgré que nous sommes wallons, les fiers guerriers, nous étions quand même des hommes. Hein. Ça faisait partie de l'hospitalité. C'est tout. Dat ze zichzelf aanboden. Oui, oui. Tja, die vrouwen en die meisjes, stonden die niet onder dwang, meneer Gondry? Absolument pas. Disons que si on en arrivait à d'excellents rapports, ce n'était certainement pas sous la contrainte. Mais il ne fallait pas se laisser prendre, parce que si un officier supérieur là-bas, FNSS, vous prenait en faisant l'amour avec une Russe, c'était bon pour le conseil de guerre. Hein. Oui. Faire l'amour avec des Untermenschen, ce n'était pas concevable pour l'état-major allemand. Y avait-il des légionnaires wallons vraiment doués sur ce plan? Damiani. Damiani, c'était, oui, certainement, lui. Il a été blessé, je ne sais pas exactement, mais aux parties génitales. Et lui qui aimait tellement les oui, femmes. Oui, et ça, je n'étais pas là, mais ça lui a tellement, ça l'a tellement impressionné que à Breslau, plus tard, sur l'Oder, il a pris une esmine, une mine de fantassin, il s'est couché au bord de l'Oder et il s'est fait sauter. S'est fait sauter pour moi, d'après moi, pour ne pas vivre diminué. De vriendschappelijke omgang met de Russische bevolking stond slecht aangeschreven bij de Duitsers. Volgens de nationaal-socialistische rassenleer waren de Russen immers minderwaardige Untermenschen, wie een woongebied diende ingepalmd om alzo aan de zogeheten superieure Germanen de nodige levensruimte te verschaffen. Dat het voortbestaan van de Russen daarbij van geen tel was, moesten de Walen spoedig ondervinden. Jullie, de Walen, beschouwen jullie ook de Russen als Untermenschen? Nee, dat was niet de mentaliteit van de Perzen. Dat was niet de mentaliteit van de Duitsen. Hè. Ook de mannen van de Wehrmacht? Ja. Maar dat had men een opgericht in de scholen, hè. Superman. Hè. En bleek dat ook uit de manier waarop ze soms optraden tegen de Russen, de Duitsers? Ja, ook. Hè.
Door zijn veldorpen, als men binnenkwam, dan zette men een placot. De twee eerste de Russen dat men vastkreeg, die hangde men op en zette een plaat op onder een buik, partisan. Hè? En waarom deed men dat? Dat was voor eigenlijk influencer, hè? Ah, voor het voorbeeld te geven. Ah, voor het voorbeeld te geven, hè? En voor het, dan bougeert er niemand niet meer dat je dat doet, hè? Ah, ja. Ik heb gezien ook dat iemand toepangen dat dat onnog vreselijk is en dat dat onnog indrukwekkend is, hè? Iemand toepangen, hè? En dat er natuurlijk dat je iemand op dat je in een dorp kan dat iedereen gewoon gerust blijft. Hè? Ja. In de zomer. Als je die s'morgens ophangt, dan om zachtesmiddags beginnen die al met wormen op hun gezicht te lopen. En in de winter, als je dan de koer afsnijdt, dan vallen ze zo stijf in de sneeuw en ze blijven recht staan. Hè? Ja. En op mij worden er veel massacres in Rusland. Hè? Veel massacres? Van hele dorpen. Hè? Aha. Je hebt dat zelf kunnen vaststellen. Ah ja, maar dat was zo ook. Wij moesten niet ophangen. En wij moesten geen massacre doen, dat worden gewoon de veldgendarmes, hè, die had dat een. Hè. Ja, als wij in een dorp kwamen... Die waren ook van de Weermacht, toch? Ja, die worden ook van de Weermacht, maar wij moesten niet ophangen. Hè. En ik heb door twee slachtingen gezien en dat was natuurlijk voordat we natuurlijk konden grommel op Bonka komen. Daar hebben we er twee plots gehad en dat was in Oekraïne. Hè. En dat worden de veldgendarmes die schoten systematiek Russen af. Hè. Systematisch? Systematiek Russen af. Hè. En daarin een dokter mij gezegd, moeten wij zorgen dat de kinderen van de Russen in de oorlog tegen mogen tegen ons kinderen. Dus dat was het systeem. Hè. Ze moesten er zoveel mogelijk... Zoveel mogelijk weg, hè. Ja. En heeft de Grelle, zoals u, ook die slagpartijen bijgewoond? De Grelle doet slagpartijen bijgewoond, hè. En ze zijn er door de oorlog van ingedrukt geweest, maar surtout als hij een kind zien moeren net voor de moeder. Hè. Eerst het kind en dan de moeder. En net er verscheiden ogen van gesproken. Aangekomen aan de voet van de Caucasus werden de 500 resterende Walen als tactische reserve van de Duitse bergjagers tegen Russische partisanen en deserteurs ingezet. Ook de jonge en onervaren Rex-jongeren werden in de strijd geworpen. Dit leidde tot een dramatisch conflict tussen jeugdleider John Hagemans, die gehoopt had dat zijn beschermelingen niet zouden worden ingezet, en Leon de Grelle, die daar helemaal anders over dacht. Pourquoi y avait-il un conflit entre Hagemans et de Grelle? C'est-à-dire qu'on croyait... Qu'il croyait que les jeunes ne seraient pas engagés directement dans les combats et que à ce moment-là, les combats étaient là et difficiles. On a lancé ces jeunes dans le combat. Comme les autres, oui. Ja, die hadden niet veel van ondervinding en die hebben ze direct naar het front opgestuurd. Dus die zijn doorgekomen en daarom hebben direct veel gesneuvelden ingeweest. Door het geval dat die omgekomen zijn op het front, dan was het door al een schietpartij. En die hebben natuurlijk beginnen al uit te mogen. Dus de Russen hebben direct beginnen meer te schieten. Dus die zijn er van gekwetst geweest direct en van gevallen. Omdat ze lawaai maakten? Omdat ze te veel al uit mochten natuurlijk. Hè. Gebrek aan ervaring? In de plus van te, in de plus van te zwijgen natuurlijk. Hè. Die moesten babbelen. Achtung, dort drüben stecken sie. Maar hebt gij het niet vreselijk gevonden om aan het front te... Zo van die jonge jongens, 16 jaar, 17 jaar, te verzorgen. Want men heeft mij medegedeeld dat sommigen onder hen vreselijk waren vermengd. Ja, maar door het front zijn er veel vreselijk vermengd. Hè? Maar, en ik laat op u, dat mochten vriendelijke wonden zijn. Men heeft ooit eens gesproken van le massacre des innocents. Je crois que c'est un terme qui peut nous convenir. N'était-il pas trop jeune pour être conduit à la mort? Leur chef, John Hagemans, avait espéré que vous ne les auriez pas fait courir de trop grands risques. Eh bien, écoutez, un chef doit assumer ses responsabilités. On ne vient pas à la guerre pour se promener, on vient à la guerre pour se battre et pour gagner. Eh bien, ces garçons-là, je voulais qu'ils fassent l'apprentissage vrai de la guerre, parce que c'était pour moi, dès ce moment-là, ma grande réserve pour faire de futurs chefs.
c'est que justement beaucoup de jeunes, votre réserve, ont été tués. Mais ils étaient aussi un exemple. Ils passaient leur poids. Mais il y a aussi beaucoup qui étaient blessés. N'oubliez pas que plus de 90% de mes soldats ont été blessés à la guerre. Moi-même, j'ai été blessé 5 fois, j'ai eu 7 blessures, j'ai eu 8 fractures. C'est le métier, ça. Mais grâce à ça, j'ai eu là, parce qu'ils appartenaient, les jeunes, c'était avant tout des jeunes étudiants, des jeunes types brillants. Ça m'a fourni une nuée de jeunes officiers merveilleux. Voor de Grelle ging het pad naar macht en glorie ook over lijken. Jeugdleider Hagemans kreeg van zijn kant niet veel tijd om te wanhopen. De 26 augustus 1942 sneuvelde hij te midden van zijn beschermelingen in de strijd om Tjerjakov. Begin september 1942 telde het Waalse legioen al niet minder dan 100 doden en 200 gekwetsten. De nog valide manschappen waren in gevolge de maandenlange marsen meer dan oververmoeid en hun moreel zakte zienderogen. Niettemin werden de Walen opnieuw naar de frontlijn gestuurd, ditmaal bij de verovering van de Tuapse-vallei, in de uiterste punt van het Duitse offensief in de Caucasus. Stoßtrupps kämmen das Ölgebiet nach letzten Feindresten und Saboteuren durch. Ein Öllager, das von den Sowjets in Brand gesteckt wurde. De overvloedige herfstregens en het moeizaam rondploeteren op de steile hellingen en in de dichte bossen van de Caucasus deden het Waals moreel ver beneden het dieptepunt zakken. Ces montagnes, il n'y a pas de chemin. Il y a des sentiers où seuls les hommes ne peuvent aller qu'à pied et où seulement des mulets, même pas des chevaux, des mulets y avaient accès. Donc, pour y arriver avec la nourriture, c'était très très difficile. Pour y arriver avec le ravitaillement, donc. Pour y arriver avec les munitions, c'était très difficile. Il pleuvait sans interruption. Nuit et jour. Nuit et jour, sans interruption. J'ai dormi dans des trous d'eau, où l'eau était à 5-10 cm. Et nous pouvions allumer un tout petit feu, un feu de cendre, pour pouvoir un peu nous réchauffer. Nous étions couverts de poux, mangés par les poux. Et qu'est-ce que vous mangez lorsque donc le ravitaillement ne parvenait pas? Nous avons mangé des glands, nous avons mangé des racines. Nous recevions une quantité de pain minimum, une tranche de saucisson, pas de beurre. Donc des racines, vous dites? Tout ce qui était mangeable. Tout ce qui était mangeable, des racines, de l'herbe, des glands. C'était extrêmement dur au point de vue physique. Je pense qu'au point de vue physique, c'était la période la plus dure. Er zijn ook vele gekwetsten geweest. Kon men die wel tijdig weghalen van waar ze gevallen waren? Nee, er zijn er veel van overleden. En s'nachts, de Russische gevangenen die bij ons wonen, en enige gevangenen dat benauwden als knechten dus, die mochten dan groven en die hebben dan een keer groven gemokt voor mijn infirmerie. En dan heb ik door die natuurlijk groven op voorhand gemokt. En door de hele dag worden door 2 groven open. En dat was een zicht dat ik absoluut niet kon verdrogen. Hè? Want die dochter een keer door monsternacht ook zelf in. Dus dat kostte een keer. En ik heb gezegd voor de volgende dag dat ze geen groven te veel moesten maken. Hè? Dat ze maar juist moesten maken voor de lijken te begroven en geen op avans. Hè? Laten we het nu even over uw werk hebben daar als dokter. U was er naartoe getrokken, zegt u, om het een en ander bij te leren. Ja. Nu, ik vermoed dat gij het een en het ander hebt bijgeleerd. Hè? Ja, maar ik heb daar niet veel bijgeleerd en ik heb van alle dingen bijgeleerd, maar niet op mijn doktersgebied. Hè? Aha. En ik heb natuurlijk geleerd dat de mensen gemakkelijk makkoor afschieten. Hè? Dat is nog 2 maanden die van die katholieke scholen gaan en nog 2 maanden schieten die iedereen af die voor hulde loopt. Hè? Dat is absoluut niet in orde toe. Dus dat je die moet kalmeren, dat heb ik geleerd. Ja, maar ik heb gevonden dat de oorlog dat hier moest doen was, hè, dat hier allerlei doeien is en veel kapot maken, absoluut voor niks mandalen, hè, want dat deed voor niks. Hè, als we nog kapot geschoten net van dorpen, hele dorpen, allemaal vermoord en dat deed toch voor niks. Hè.
Die raffiniert getarnten Erdbunker der Sowjets sind kaum zu erkennen. Immer dichter arbeitet sich der Stoßtrupp an den Bunker heran. Jetzt kann auch der Flammenwerfer eingreifen und die Sowjets ausräuchern. Heeft zich dat nog zo voorgedaan in sommige situaties, dat je voor je ogen beelden ziet van zaken die je niet vergeten kunt? Ja, van die jongen die in zijn keel geschoten was, hè, ja. En die ik in mijn armen gehouden heb, totdat de brengkastiers gekomen zijn om mijn best te doen. Die heb ik nooit meer teruggezien. Hij is erin gebleven? Ik heb hem niet meer teruggezien. En hij was door zijn keel geschoten? Door zijn keel geschoten, op 3 meters van mij. En je denkt er nog aan terug? Ja. Ja, drinken, ja. Op tijd, als ik erop denk, dan drink ik, hè. Dan drink ik. Drink je dan veel? Ja, ik kan dan niet overkroppen. Dat ik zelf er nog uitgekomen ben, dat ik daar ook zelf niet gelegen heb, gelijk die andere jongens. Die daar gesneuveld zijn. En daar denk ik te veel aan. Eind november 1942 werd een door gevechten en epidemieën uitgedund Waals legioen van het front teruggetrokken. 170 van de 400 nog valide manschappen kregen hun eerste verlof in België. Het enthousiasme van de Walen voor de Grellen was inmiddels behoorlijk afgekoeld. De Grellens grootsprakerige belofte van een groot Bourgondisch Rijk, waarvan hij vanzelfsprekend de baas zou zijn, wekte hoegenaamd geen geestdrift meer op. Aan het front hadden de Walen immers maar al te zeer ondervonden hoe de Grellens glorie met hun bloed werd betaald. In het begin van het legioen was hij heel graag gezien door iedereen, hè, omdat hij simpel soldaat was. Maar daarna... Daarna wat? Daarna la gloire pour de grêle, le sang pour nous. C'est tellement vrai que nous en avions un peu marre de toutes ces histoires de la Bourgogne que nous l'avions dénommé Modeste Ier, grand-duc de Bourgogne. Modeste Ier. Modeste Ier, grand-duc de Bourgogne. Parce qu'il n'était pas du tout modeste. Non, il n'était pas, non. C'est une qualité qu'il n'avait certainement pas. Dokter, waarom was het Waals legioen zo belangrijk voor de Grellen? Omdat er natuurlijk zijn steun was voor Noorderdingen, voor Noorderoorlog, de leidertoeren van België. Hè? Ah, dat was zijn droom natuurlijk. Hè? Voor de politiek. Hij was natuurlijk tegen de Vlamingen, hij toch van een heel België te vlogen, 18 provincies, hè? Dat was zijn droom. Hè? Van Charles Le Téméraire. Hè? Bedoelt u daarmee dat het Waals legioen eigenlijk diende om de politieke ambities van de Grellen... Dat is zeker, hè? Dat is zeker dat dat diende voor dat. Hè? En dat was ook het gedacht van de Grellen. Dus de inzet die dikwijls zeer duur betaald is geworden, de inzet van het Waals legioen, werd door de Grellen politiek uitgebuit. Ah, ja, dat is zeker. Hè? De Grellen was van zijn kant tot het inzicht gekomen dat de maandenlange inzet van het Waals legioen zijn politieke carrière geen stap vooruit had geholpen. Weliswaar was hij in een recordtempo van gewoon soldaat tot officier opgeklommen, maar voor de Duitse Weermacht was en bleef het Waals legioen een te verwaarlozen troepje buitenlandse hulpsoldaten. La Légion Wallonne ne comptait pas. On l'avait mis à la Weermacht, on la regardait pas, on n'en parlait pas. On était un pauvre bataillon rattaché à une division de montagne allemande. Qu'on a suivi au Caucase, mais pas comme Légion Wallonie, on était un bataillon de renfort d'une division allemande. Dans la Wehrmacht, ça ne nous intéressait pas non plus. Dus zolang dat men in de Wehrmacht was, betekenden de Walen eigenlijk niks? Niks. En het is daarom... Ah, non, parce que pour la Wehrmacht, c'était des Oostländers. En het is daarom dat de Grelle gepoogd heeft naturellement, il fallait om naar de Waffen-SS te gaan? Ja, il fallait faire quelque chose. Il était obligé. Ou bien, il se condamnait à mort, il se battait pour des prunes, là.
om politiek geconsidereerd te worden. Geconsidereerd du point de vue politique, ça n'avait aucun sens de rester se combattre, puisqu'on ne faisait même pas attention à nous et qu'on allait là que pour se faire remarquer. De Grelle besloot voortaan de kaart van de Waffen-SS te spelen. In de Caucasus had hij de met het modernste materieel uitgeruste elite-divisie van de Waffen-SS, de Viking, aan het werk gezien. Tevens had de Rijksleider met de prestigieuze bevelhebber ervan, SS-generaal Felix Steiner, gesproken. Alors, là, nous avons compris. Définitivement. Qu'il ne suffisait pas de gagner la guerre. Que l'Allemagne gagne la guerre et que nous la gagnons en même temps qu'elle. Il fallait que nous soyons à côté de ceux qui, en Allemagne, gagneraient la guerre. Or, il y avait la Wehrmacht à laquelle nous appartenions. C'était des gens qui, après la guerre, seraient comme les anciens combattants belges, à venir avec leurs réunions, avec leurs drapeaux, leurs petits bérets, leurs paquets de tartines. Tout ça, ça sert à rien. Ça n'allait pas dans notre but politique. Ce qui politiquement allait gagner, c'était la SS. Steiner bleek bereid te zijn om over een mogelijke toetreding van de Walen tot de Waffen-SS bij Himmler ten beste te spreken. De Grelle zelf trok in december 1942 van het front naar Berlijn om daarover met de hoogste SS-instanties te onderhandelen. Deze hielden, zoals in 1941, de boot af met het argument dat de Walen geen Germanen waren en er zo dus voor hen geen plaats in de Waffen-SS was. De Grelle gaf zich echter niet gewonnen. Jan de Grelle revient en permission à Bruxelles en décembre 1942. Il a un entretien avec Gérard Romsey et il lui déclare « Le VNV est foutu. Vous êtes un bastion clérical et petit bourgeois. Vous n'en avez plus pour longtemps. La politique de l'Anschluss, de la Flandre au Reich évidemment, se fera contre vous ou avec vous. Moi, j'ai décidé de marcher et maintenant je marche à fond. » En de Grelle marcheerde, een heel eindweeg zelfs, op het glibberige collaboratiepad. Tegenover de aanvankelijke Duitse weigering plaatste de Rijksleider een hoger bod, namelijk de volledige inschakeling van de Rijksbeweging in de SS. Begin januari 1943 vroeg hij de SS-generaal Jungklaus, de vertegenwoordiger van Himmler in ons land, of hij, de Grelle, een Waalse algemene SS mocht oprichten. Himmler ging daar niet op in, ten einde de Vlamingen niet voor het hoofd te stoten. Daarop liet de Grelle aan de vertegenwoordiger van het Duitse ministerie voor Buitenlandse Zaken te Brussel, Werner von Bargen, weten voortaan een voorstander te zijn van de aansluiting, de Anschluss, van Wallonië bij het Groot-Germaanse Rijk. De Grelle had nochtans nog geen jaar tevoren aan diezelfde von Bargen verklaard dat België na de oorlog als een zelfstandige staat moest blijven bestaan. Als klap op de vuurpijl deelde de Grelle tenslotte medio januari 1943 aan het SS-hauptamt te Berlijn mede publiek te willen bekennen dat de Walen voortaan deel uitmaakten van de Groot-Germaanse volksgemeenschap. Al dus geschiedde de 17 januari 1943 in een nokvol Brussels sportpaleis. Le moment est venu de se décider. Camarades, quand il s'agissait de bondir dans les positions soviétiques, vous me suiviez comme un seul homme. Aujourd'hui, le moment est venu de serrer votre ceinturon, de caler votre chargeur et de bondir à ma suite et de vous là, mes soldats et mes camarades. Il faut choisir. Il faut qu'on sache que fils de la race germanique, fils d'un peuple qui se couvrit d'une gloire immortelle pendant plus de 1000 ans sous les drapeaux de l'Empire. Nous avons repris conscience de notre qualité de Germain, que dans la communauté germanique, nous nous sentons chez nous. Il faut qu'on sache que dans la grande unité germanique qui se créera demain, nous sommes prêts à prendre notre place, soucieux de maintenir le patrimoine de l'Occident avec fierté et avec noblesse. Notre petite patrie, c'est l'Occident. Mais notre grande patrie, c'est la communauté germanique au sein de laquelle nos camarades sont morts.
les glorieux uniformes que nous portons. Nous ne pourrons plus jamais les oublier. Un soldat allemand est pour nous, à jamais, un compagnon et un frère. Nous sommes de sa race. Nous sommes nourris des mêmes gloires millénaires que lui. Nos morts sont tombés mêlés aux siens. Mais nos vies seront plus puissantes que les dangers et que la mort. Nous vivrons, nous forgerons pour notre patrie et pour notre peuple un bonheur qui sera l'honneur de nos vies. Camarades, heil au Führer et rendez-vous à la victoire! C'était une surprise complète, aussi bien parmi les gens de la Légion, parce que personne ne savait pourquoi tout d'un coup, lui qui était plutôt anti-Bosch, comment tout d'un coup il disait qu'on était germain. Alors on disait qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il veut. Il n'a jamais expliqué ça à personne, ce discours. Dans le parti rexiste, il y a la moitié qui ont démissionné, dont Pierre, oui, je crois que Pierre D lui-même a démissionné à ce moment-là. Il y avait des démissions en masse. Donc il avait fait un énorme tort à son parti là-dedans, et personne ne comprenait quelle était son idée, pourquoi tout d'un coup il devait devenir germain. Pourquoi ça mose des germains? Ah, parce que tout le système allemand à cette époque était basé sur les germains. Or, historiquement, raciquement, tout ce que vous voulez, les Wallons sont des germains 100%. Je le disais à Hitler, je le disais à Goebbels, à Göring, je suis bien plus germain que vous autres. Les Prussiens, vous êtes des mélanges de Slaves et de Français. Vous, Hitler, vous êtes un Autrichien. Nous autres, en Wallonie, nous n'avons jamais eu que du sang germanique. C'est la stricte vérité. Pourquoi dire le contraire? Il n'y a jamais eu un gramme de sang français qui est venu en Wallonie. D'ailleurs, pour moi, ça n'avait aucune importance. Je vous le dirai tout froidement, c'était un argument politique. Puisque pour les Allemands, ce qui comptait, c'était d'être germain, je disais, germain, on l'est autant que vous, plus que vous. Parce que son discours de Wallonie n'était en fait pas dirigé vers les rexistes ni les gens de la Légion, ce discours était dirigé vers les Allemands. C'était pour que les Allemands se disent « qu'est-ce que c'est que ça ?» Lui préparait sa démarche. C'était le passage au Waffen-SS. Moi, ce qui me plaît, c'est le combat et c'est de gagner. Et vis-à-vis d'un homme de génie comme Hitler, tout était possible. C'est une question de le convaincre. Et comme en 1936 je l'avais convaincu, je me suis dit, je le convaincrai une fois de plus. En de Grelle wist Hitler te overtuigen. Nauwelijks was de Führer over de spectaculaire koerswijziging van de Rijksleider ingelicht, of hij gaf de onderrichting de Grelle op alle mogelijke manieren te steunen. Voortaan was deze de enige bruikbare Belg, aldus Hitler. Als gevolg van Hitlers beslissing zal ook SS-leider Himmler zijn wantrouwen tegenover de Grelle's politiek manoeuvre laten varen. Maar op de volledige inschakeling van Rex en het Waals Legioen in de SS zal de Grelle nog tot midden 43 moeten wachten, zoals trouwens alle andere niet-Germanen, want er werd voor hem en zijn Waalse volgelingen geen uitzondering gemaakt. Dat brengen we u dan bij het begin van ons volgend programma. Nog een goedenavond.